Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la fin de notre DLC sur Resident Evil 7, End of Zoe. Et qui dit suite et fin dit fin de notre aventure dans sa globalité. Ça y est, c'est terminé. Considérez que c'était le dessert, ces deux DLC qui étaient certes courts, qui nous apprennent pas grand chose sur l'histoire. Mais voilà, c'était le dessert et maintenant on tourne la page. Donc cette année 2017 était très riche en Resident Evil 7. J'ai aimé ces deux DLC parce qu'ils nous ont offert des petites mignardises, vous savez, des petits desserts où vous choisissez ce que vous voulez manger 7 mois après la sortie du jeu. Et voilà, ça marque une très belle étape, une très belle année 2017 avec Resident Evil 7. Et donc là, on est parti pour la suite et je vous ai dit, quoi qu'il arrive, c'était la fin, que cet épisode dure 40 minutes ou 2 minutes. Peu importe, on verra bien, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Je rappelle qu'on joue Joe Baker, le frère de Jack Baker, bien évidemment. Et on essaye de sauver Zoé. Et puis là, on va rentrer dans un cimetière qui mène à une église. Oh, vous savez ce qu'on dirait grave là? On dirait Resident Evil 4. Donc il y a eu plein de clins d'œil, il y a eu plein de trucs vraiment cool. Mon expérience Resident Evil 7 était énorme. Voilà, vraiment. Il s'est passé tellement de choses cette année, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Mais quand on fait le point, quand on fait un pas en arrière, j'ai l'impression que quand je dis il s'est rien passé, c'est venu entre guillemets tellement vite que pour moi Resident Evil 7 c'était pas dans ce jeu là. Dégage de mon chemin, gros là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe aïe aïe. Ok. Ok. Ah. Alors, est-ce qu'on peut discuter? Vas-y, venez les gars. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Waouh! C'est du vomi! Ok, c'est bon. Hop, toi tu la fermes. Oh là là, mais gros, mais... Mais comment, à quel moment tu peux prédire qu'il faut se battre contre un truc aussi énorme? Ok. Ok, et à Manu, hein, c'est ça le problème en fait. Il est là. Il est là le bonheur. Il est où le bonheur? Allez, ça, ça dégage très rapidement. Ça dégage, j'ai pas le temps. Lui, il attend que je tue son pote, ça fait mal. Ok. C'est pas grave. Ah putain, c'est chiant. Ok. Regardez la peau qui s'enlève, c'est énorme. Pas mal là, pas mal ce que je fais. Pas mal ce que je fais. Pas mal ce que je fais. Aïe 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 aïe. Ok. Ok. On va se soigner calmement. C'est pas mal du tout là ce que j'ai fait. Hein. Attends, je peux pas récupérer. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Marre de toutes ces conneries. Je suis pas venu ici pour souffrir. Tu vas pas exploser. Non, même pas. Tu vas pas me faire ça à moi maintenant! Je le savais, putain! Mais oui, mais ils explosent tous! Pourquoi je pose la question? Aïe, aïe, aïe! Donc, comme je vous disais, cette année est passée vite. Et waouh, Resident Evil 7, les gars, c'était en début d'année. On en a vécu des choses, on en a fait des choses, des aventures, etc., etc. Ça passe super vite à l'image de The Evil Within 1, qui était il y a 3 ans. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte de tout ça. The Last of Us aussi. Ça passe à une vitesse, c'est juste incroyable. Et c'est rassurant aussi, ça fait que le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé. Mais qui aurait pu s'imaginer que le temps se serait si vite écoulé? Ah, Zoé. Il va y avoir le boss là, je pense, non? Il va se passer quelque chose de paranormal. Ça, ça dépasse le sacrilège. Ah! Oh putain, mais... Quoi? Jack, c'est pas vrai! Waouh! C'est donc Jack derrière tout ça! Derrière cet homme des marécages! Incroyable révélation! Je n'étais point prêt! Ils m'enterrent! Putain de merde, Jack! Tu reconnais même pas ton propre frère! Fais pas ça! Je t'interdis de la toucher! Jack! Laisse-moi sortir, putain! J'ai ton frère!
Comment est-ce que tu peux me faire ça? Fais-moi sortir d'ici, t'entends? Ça doit être tellement horrible, les amis. Ok, alors ça pour une surprise. Clairement, c'est une surprise de fin d'année. Personne n'était prêt. Hein. Merde. Oh la vache, Jack. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, j'ai survécu à une mort par noyade. C'est plutôt pas trop mal. D'accord, donc c'est Jack, putain, mais c'est terrible, c'est incroyable. Donc c'est un autre homme des marécages. Alors, mais qui était la première personne à qui on a... On a besoin de renforts. Arraché la tête. Une arme biologique inconnue nous a pris pour cible. Le camp de la résidence Baker est attaqué. Ça doit être la créature qui a attaqué là-bas. Renforts. Ok, je suppose que Jack va se venger. On se replie. Je te tiens, espèce d'enfoiré. À nous deux. Oh là 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 là. Alors à qui il s'adressait? Est-ce qu'il s'adressait à son frère Jack? Je doute pour le moment. Je pense qu'il veut quand même que son frère soit encore en vie. Je pense que quand il dit je te tiens enfoiré, il parle du camp militaire. Je sais pas, à voir. En tout cas, c'est bien triste. Mais on revoit Jack finalement. On revoit Jack. Le frérot, le rouillard. Oh, d'accord. Ah! Oh. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? On se tire ou pas? Qu'est-ce que c'est? D'accord, ok, c'est fait pour se tirer. Quel est ce chemin? Quel est ce chemin, les gars? Faut courir nos grands morts? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Quel est donc... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un de leurs nouveaux jouets. Oh là là! Une augmentation artificielle! Prêt pour utilisation. Bon, comme par hasard, ils trouvent ça, tu sais. Ok, ça va mettre des sacrées patates, ça. Là, c'est terminé pour eux. Ouais, c'est terminé pour vous, les gars. Voilà. Ah ouais, bah alors là, on va se régaler. Alors, on a mal? Charge en cours. Allez, ça dégage. Charge en cours. Attends, je peux garder chargé ou pas? Charge en cours. Non, je peux pas garder chargé. Charge complète. Ok. Charge complète. Ah là, je vous le dis, ça va décoller des gencives. Je vais faire fusionner leurs dents avec le reste. Oh là là. Charge complète. Un sacré délire en tout cas, ça me fait plaisir. Charge en cours. Ok. Non, pas assez. Charge en cours. On va continuer. Sur charge cette musique épique. Complète. Oh oui, bah d'accord, ok. C'est peut-être ce qu'il me faut pour me débarrasser de Jack une bonne fois. Ah non, il parlait bien de son frère. Ok, il avait aucune putain de pitié pour son ref. Aucun souci. Ok. Mais attends, c'est la résidence Baker là, non? Les gars! On est de retour chez les Baker! Oh mon dieu! Je m'en souviens comme si c'était hier. Et il y aura peut-être Marguerite qu'on va épingler contre un mur aussi. Ça me ferait plaisir. Marguerite, c'est la pire de tous. Oh putain de merde! Zoé Baker, CM1. D'accord. Les gars, c'est énorme! On revient chez les Baker. Oh là là, mais c'est plein de surprises! Ce DLC m'a clairement plus fait vibrer que le DLC de Chris, qui était juste du bourrinage, hein, soyons clairs, mais qui mettait clairement une halte à la suite, on va dire, sur Resident Evil 8. Oh là là, souvenez-vous, la mondiale et tout. Charge complète. Ok, centipède, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Oh, ce plaisir. Redécouvrir ces lieux, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Un bonheur qui fait un peu peur, mais avec un point pareil. Charge en cours. Charge complète. Allez, ça dégage. Charge en cours. J'ai pas le temps pour vos conneries. Charge complète. Allez, viens. Voilà. Charge en cours. Charge complète. Voilà, aucun souci. D'autres volontaires? Oh là là, repasser par ici, putain. Et sachant que c'est quelques semaines après, c'est ce qu'Ethan n'a pas tué finalement.
Ah, c'est un... Ah, moi, je suis content. Hein. Moi, ça me suffit, les gars. Son petite musique épique. Sergent Cour. Oh, je m'as vu. Sergent Cour. Non. What? Je mange des centipèdes. Pas mal. Ah, c'est dégueulasse. Il servait donc à ça. Charge complète. Ok. Charge en cours. Donc je mange des centipèdes. Ah ouais, mais depuis que j'ai la main, j'ai perdu carrément mon inventaire en fait. Très bien. Il me reste une bestiole peut-être combinée avec du fluide chimique. Très très bien. Charge en cours. Ok. Complète. Donc là, c'est clairement de la survie. Et en terre, hostile, on peut le dire. Allez, ferme-la. Charge là, tu me racontes ta vie. Tu vas péter, là. Tu vas péter, voilà. Oh là là, matez ça, on est chez Marguerite. Oh là là, voilà. Et là, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est incroyable. Charge quel plaisir complète. De revoir tout ça, putain. Ok, faut descendre, je suppose, non? Non, faut pas descendre. Quelle est cette... Ok, c'est pareil. Charge en cours. Oh, souvenez-vous. Oh, peut-être qu'il est retourné dans le salon? Non? Ça serait pas énorme? En train de manger un petit truc? D'ailleurs, j'ai envie limite de relancer le jeu principal et voir si, par exemple, la petite poupée boxeur était là. Si elle était là, ça veut dire qu'ils avaient tout prévu depuis le début. Et dans ces cas-là, c'était des putains de génies, les gars. Charge en cours. Donc là, on va voir la caravane. Charge complète. Ok. On charge, hein, on charge, on sait jamais. C'est énorme, je kiffe. Je kiffe revoir tout le décor. En fait, on a fait le trajet, on est retourné. Oh, d'accord, ils sont déjà installés. Ok, d'accord, ça, ça mène à la porte d'entrée. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien de bien bon, si je puis me permettre. Ok, désolé, j'en avais marre de laisser le truc charger, c'était insupportable. Très bien. Hop, on refait un soin complet, hein. J'en ai rien à foutre, ça va très très vite ici. Hein. Ici, tant qu'on peut s'amuser, on va pouvoir savoir ce qui s'est passé. Langouste. Allez, nous avons fini d'analyser les échantillons de tissus supposés appartenir à Jack Baker. Les cellules montrent une extraordinaire résistance aux dégâts physiques et chimiques. Le mutamycète de la série E sécrète une enzyme semblable à la télomérase à travers les parois de la cellule, causant l'activation anormale de la voie ERK. Qui provoque une division forcée des cellules, régénérant rapidement les tissus endommagés. Cependant, la division cellulaire répétée mène rapidement à une rupture dans la structure intercellulaire. Il faut savoir que c'est des mots qu'on n'emploie pas tous les jours, donc lire un truc qui est rempli de mots, entre guillemets, pseudo-scientifiques, c'est assez... c'est pas évident, voilà, c'est pas évident. À l'origine de l'apparence boueuse caractéristique des échantillons de tissus prélevés. Ceci nous amène à penser que les cellules atteignent leur limite de Hayflick. Il est à noter que les échantillons provenant des autres membres de la famille, la femme Marguerite, le fils Lucas et la fille Zoé, ne présentent pas des capacités de régénération aussi étendues. Il semble que les symptômes puissent varier d'un sujet à l'autre. Une étude plus approfondie s'impose. Et une langouste d'ailleurs, qui se trouve très rapidement sur un mec. Produit AMG78, développé pour faciliter le transport d'équipements lourds. Une fois équipé, les impulsions nerveuses sont détectées et synchronisées avec un actionneur qui offre une puissance dépassant les 50 chevaux. Des absorbeurs à la pointe de la technologie permettent d'annuler le recul perçu par l'utilisateur. Ah, d'accord, c'est mon point. Ça équivaut à 50 chevaux, c'est ça, hein, il me semble. Hein. Il me semble. Ok, on va save les gars. Incroyable, incroyable. On en sait en plus un tout petit peu plus hein, sur la régénération évidemment de Jack. Pourquoi il est vivant finalement. Ok, on va essayer de tout fouiller. Il y a peut-être une poupée boxeur qui traîne par ici. Mm-hmm. Pas l'air d'y en avoir. On va pouvoir y aller. Et ici je suppose qu'il n'y a rien. Ok, il n'y a strictement rien. Ok, donc on retourne dans la maison. Je pense qu'on va affronter soit Jack. Attends Baker un peu, Jack. Zoé rentrera avec moi. Dans le sous-sol, soit... Zoé. Dans le salon. Charge en cours. C'est le combat final. Charge complète. C'est le combat final. Zoé. Zoé, réveille-toi, réveille-toi. Ah. Oh, mais j'en ai marre, il vient toujours de manière... Zoé. T'es plus qu'un chien enragé, maintenant. Le moment est venu de te piquer. Ramène-toi. Ah. Charge en cours. Non!
je me suis gouré de touche, putain. Oh non, 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 on recommence, je suis désolé les gars, je me suis totalement gouré de touche, j'ai fait n'importe quoi. Oh la vache, oh comment elle est stylée cette image, la vérité cette image elle est tellement stylée. Attaque chargée, très bien. Ah, je me suis gouré de touche entre la garde qui est L1 et les soins rapides qui est R1, c'est terrible. Autant j'avais oublié cette touche, autant maintenant, elle me hante tous les jours. Attends un peu, Jack. Allez, on est parti les gars, on est parti. Zoé rentrera avec moi. Désolé les gars, hein, je préfère recommencer plutôt que faire tout cela pour rien, si je puis me permettre. Ok. Zoé. Il y a un soin derrière, vous l'avez vu. Waouh! Je suis toujours surpris, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Un peu moins surpris, certes. T'es plus qu'un chien enragé maintenant. Comment est-ce de te piquer? Amène-toi! Charge en cours. Ok, on va soigner. On va pas jouer les cons, ça sert à rien. Ok. 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 Aïe! Charge en cours. Ok. Wow. Ça met des claques, hein. Là, je vois pas trop comment esquiver. Ok, je m'étais protégé. Un coup de tête. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Ok, faut que je me soigne très vite. Ok, là c'est la guerre des frères. Oh putain, mais ça m'énerve quand ils se retournent comme ça. C'est compliqué cette histoire, c'est compliqué. Charge en cours. Charge. Okay. Souviens-moi, frangin. Tu te souviens quand on était gamin et que je t'ai caché le nez? Tu te souviens de la corde à linge qui t'a envoyé dans le marais? Charge en cours. Ok. Voilà, on se cover. Ok. Charge en cours. Charge complète. Voilà. Aïe, 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 on se cover. Ok. Hop. Ok, faut donc se baisser pour ça. C'est bon, c'est pas mal. Ok. Charge en cours. Charge complète. Allez! Charge en cours. Charge complète. Allez! T'étais une mauviette, Jack! T'as jamais pu me battre! T'as beau être un monstre maintenant, ça m'empêchera pas de te botter le cul! Charge complète. Ok, on se protège. Charge en cours. Charge en cours. Charge complète. Voilà. Aïe! Non! Ok. C'est pas évident. Non, je m'étais protégé, putain. Ok. Charge en cours. Voilà. Charge en cours. Ok. Aïe. Aïe. Non. Je suis mort. Ok, ça va être chaud les gars, ça va être chaud. Je vous montre que le rush final. Je sais pas combien de fois je vais recommencer. Je suis pas mort. Si, je suis mort. Je vous montre que le rush final les gars, parce que je sais pas combien de fois je vais pouvoir recommencer celle-là. Mais en tout cas il est chaud, c'est tout ce que je peux vous dire. Zoé, réveille-toi, réveille-toi. T'es plus qu'un chien enragé maintenant. Le moment est venu de te piquer. Amène-toi. Charge en cours.
Ok. Ok. Tu te souviens de moi, frangin? Tu te souviens quand on était gamin et que je t'ai caché le nez? Tu te souviens de la corde à linge qui t'a envoyé dans le marais? Allez putain, c'est bon. Ok, les gars, il me reste deux heals, et on est à la phase 3, c'est terrible. T'as beau être un monstre maintenant, ça m'empêchera pas de te botter le cul. Ok. Ok. Je sais pas combien il a de vie. Ok. J'arrive là, oh, je suis un boxeur là. Faut que je me reconcentre, les gars. Faut que je me reconcentre, ça va pas du tout. Allez, c'est le dernier là, non? Oh non, putain. Charge en cours. Ça va être chaud. Charge complète. Qu'est-ce qu'il... Ok. Ok. 4. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il est mort. Ok, on charge. Désolé, Jack. Désolé, mon chouïa. Oh là là. Fais tes adieux à la famille, frangin. Sorry. Il était clairement pas évident, les gars. Il était clairement pas évident. C'était méga chaud. Zoé, tiens bon. Ça va aller maintenant. Zoé! Zoé! Avec toi, Zoé! Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Je vais bien. T'en fais pas pour moi. C'est fini maintenant. Go, 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 go! On bouge plus! Les mains en l'air! À genoux! Oh non! Ça suffit! Baisse ton arme. Ça va aller. Zoé Baker, c'est ça? À qui a-t-on l'honneur? Chris Redfield. On vous a cherché partout. On vient vous aider. Tu vas t'en sortir. J'ai passé 3 années enfermée avec ces monstres. Ils ont tous essayé de me tuer. J'arrive pas à croire que ce soit fini. Tu sais,
Quelque part au fond d'eux, il restait ta famille. Et ils t'aimaient. Surtout ton père. Même dans ses derniers instants. On l'a trouvée. Elle encaisse bien. Ouais, bien sûr. Attends. Quelqu'un veut te parler. Zoé. Zoé, tu es là? C'est toi? J'y crois pas. Tu t'en es sortie. Ouais, on a réussi. Tu m'as pas oublié. Je t'avais dit que je t'enverrais de l'aide. Et je tiens toujours mes promesses. Merci, Ethan. Oh, c'est beau! C'est donc Ethan qui avait envoyé les secours. C'est un petit peu du mytho parce que Chris est arrivé. Je sais pas comment Ethan a pu joindre les secours, mais bon, les gars, ça reste la beauté du sport qu'on apprécie évidemment. C'est la fin, les amis. 2017 a été une année Resident Evil-esque, on peut le dire comme ça. 2018 peut l'être aussi avec Resident Evil 1 et Resident Evil 0 à refaire. Tout est entre vos mains, les amis. En tout cas, défi extrême, c'était très très chaud. Le boss final. Là, clairement, je l'ai recommencé, je crois, 3 ou 4 fois, je sais plus exactement. Mais clairement, il n'était pas évident. En tout cas, c'était cool. Promesse tenue. N'oubliez pas de j'aime et de commentaire. J'ai kiffé cette vidéo, j'espère que vous aussi. A très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.